Vous regardez RTL. Faites attention, monsieur Bigard, aujourd'hui, on a madame O'Krent qui est là, oui. Et j'aimerais qu'on ait des, quand même des blagues d'un bon niveau. Bah oui, mais j'en ai des philosophiques. J'en ai déjà rayé 8. Il n'y en a plus, il n'en a plus. Quel dommage. On essaye une petite quand même pour commencer. Ah oui, commencer. Non, bah, c'est, ça vous concerne, mon cher Laurent, bah, c'est... L'histoire, c'est Laurent Ruquier avec mais pas la raconter sa sœur. Avec Harry Habitant, par exemple. Non, non, c'est mieux. Tu vas voir pourquoi. C'est mieux avec toi. C'est Laurent Ruquier qui est avec sa sœur et son beau-frère. Ils ont un accident de bagnole. Ils meurent tous les trois. Ah. Bah, et ils arrivent, sympa. Ils arrivent vers Saint-Pierre. Et Saint-Pierre, bah, il leur dit, formidable pour vous. C'est le paradis. Il les accompagne jusqu'à deux immenses portes blanches. Comme ça, et avant d'ouvrir les portes, il dit, voilà, bon, c'est le paradis. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf un truc. Il ne faut jamais écraser un canard. Je regarde, il pousse les portes, c'est très très joli, tu vois, il y a des fleurs partout, c'est le paradis, tu vois. En revanche, il y a un milliard de canards. Il y a un canard, tous les 10 cm, c'est simple, il y a un canard. Son beau-frère, l'imbécile, lui dit « Ouais, on est au paradis, il court, crac !» Il écrase un canard. Oh. Il y a Saint-Pierre qui apparaît avec une paire de menottes et une vieille femme grosse qui sent mauvais, les dents vertes. Ah, j'adore. Une haleine de poney, des croûtes partout, ignoble. Prend les menottes, crac, il attache la grosse. Et il dit « Voilà, tout le reste de l'éternité. » Il dit au beau-frère de Laurent, tu seras avec cette femme. Bon. Et sa sœur, elle, en voyant la grosse, elle prend peur, mon vieux. Elle recule d'un pas, clac, elle écrase un canard. Ah, il y a Saint-Pierre, il revient avec les menottes. Là, il a un vieillard ignoble qui sent mauvais. Pareil, il a des gouttes de pu qui lui sortent par la bistouquette. J'ai dit bistouquette. Attention, hein, t'as vu, je mets de l'eau dans mon vin. On aurait pu dire bite, hein. Et, il prend les notes, quand il attache sa sœur avec le vieillard pour le reste de l'éternité. Tu vois. Alors, Laurent, il fait attention. Hein. Il lève les pieds. 2 ans se passent. 2 ans ? 2 ans sans écraser un canard. Pour te dire, fais gaffe, même en dormant, fais gaffe de pas trop rouler pour pas écraser un canard. Et au bout de 2 ans, dis donc. 2 ans pour lui ? Ouais. C'est 600 émissions, on voit. Ouais. Et au bout de 2 ans, apparaît à nouveau Saint-Pierre avec une paire de menottes et à côté de lui, Marilyn Monroe, entièrement nue, tu vois. Une bombe atomique. Marilyn Monroe a 20 ans, parce qu'au paradis, tu retrouves tes 20 ans. Tu vois. Alors, Laurent Ruquier dit ah non, moi sur Terre, j'étais journaliste et tout, je vous reconnais bien. Il dit vous êtes Marilyn Monroe, c'est ça. Elle dit oui. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, elle dit, j'en sais rien, moi, je viens d'écraser un canard.